Donc re-bienvenue sur YouTube pour la partie 2 normalement de la rediffusion. Et je me connecte sur le serveur. Et c'est très incruste. T'as pas relancé ? Hey ! Si ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? Mais je viens juste demander un truc. Quoi ? Je me casse. Ok. Tu peux donner les chocolats au modo s'il te plaît ? Quel chocolat ? Bah t'as dit tu dois des chocolats au modo d'Eternity. Non. Je vois pas de quoi tu parles. Bah voilà, il vous a niqué. Moi je te laisse. Ok. Cet homme est bizarre. Il est très bizarre. Oh, aimes-tu les chocolats Leonidas? Ils sont très bons. Ils sont très bons en plus. Bon, il y en a pas beaucoup, il y en a que 300. Leonidas 300. Ah, je sors. Désolé. On va prendre 2 stacks de bouffe. Alors, menteur. Non, j'ai pas, moi, j'ai pas un menteur. Un screen? Pff, aucun screen, ça n'existe pas. Bonjour, tant pis. Tant pis, ok. Il s'appelle tant pis, ok. Ouais, tu feras des lives sur Minecraft PE? Non. On pourrait, parce qu'il y a moyen de les faire, franchement. Mais c'est un peu chiant aussi. Du coup, on va aller faire le minage comme j'avais dit. Il va me falloir un beacon par contre. Donc, je vais récupérer celui du volcan parce qu'il sert un peu à rien pour le moment. Hop. Musique aussi. Voilà. Voilà, la musique est revenue. Oh, et tu me fais une dédicace s'il te plaît. Non. Les dédicaces, c'est pour des personnes qui ont fait quelque chose. Genre, dédicace à machin truc pour m'avoir fait ça, dédicace à machin. Dédicace au modérateur pour avoir modéré, dédicace à... Voilà, ça sert à ça, la dédicace. Je peux pas faire une dédicace à une personne qui a rien vraiment fait. Enfin, si vous regardez live, mais bon... Si je dois commencer à faire une dédicace à tous ceux qui ont regardé le live, je suis pas sorti de l'auberge. Ouais, dédicace à Mind Coffee, dédicace à LOL du 34, dédicace à Flamichou, dédicace à Elix. Ah non, pas de dédicace à Dokoryu parce qu'il ne mérite pas. Del. Voilà, ça prend un peu de temps de faire tout ça. Allez, hop. Oui. En fait, c'est en dessous que je devais être. Donc je vais redescendre. À moi. À moi. Et j'ai appuyé sur le menu, ça fait. Ok, c'est parti mon kiki. Après demain, c'est mon anif. Ouais, mais on n'est pas après demain, on est aujourd'hui. L'enfoiré. Je vais prendre un leather chest qui est ici aussi. Je suis pas sûr d'en avoir un là-bas. Et on va prendre l'ascenseur. Enfin, c'est pas vraiment un ascenseur, mais bon. Ni, pratiquement, jusqu'au-dessus. Pratiquement. Mieux que rien. Oh, mais il y avait encore du chemin en fait. Hop. Hop. Poulpe! C'est bon, j'ai eu. J'ai des fruits sur la vidéo, c'est énorme. C'est toi. Il n'y a aucun drop en ce moment. Il y en a eu, il y a eu 225 images droppées à un moment, je sais plus quand, mais c'était là très longtemps. Hein. C'était random en plus, je pense. GG le poulpe. Ok, on va aller à la zone de minage. Triple poulpe. Ouais. Hop. Zone de minage. Ouais. Le problème c'est que tu as commencé. Il va falloir finir pour ne pas faire des jaloux. Ouais, mais non, c'est pas possible. Ah, c'est foutu brouillard aussi. Ok, il y a un beacon dans le sol ici. Ah, il y a le truc du beacon. Par contre, je pense que je vais devoir le déplacer. Quoique, il y a encore des zones à miner par là. Il y a encore une zone que je peux miner aussi ici. Donc ouais, on va le mettre en place, on va essayer de miner les dernières choses à miner. Hop.
Faut que j'enlève ça. Ah, j'en avais bien ici, je vais le mettre là. Il me faut une petite barre de fer. Il y a un slime là-bas. Hop. Veux-tu bien fonctionner, merci. Haste. Qu'est-ce que tu fais là? Hey mec. Là, ça c'est fait. Du coup, là j'ai le haste, il se régénère, donc... Ça c'est le minage méga optimisé. C'est à peu près ça. Donc c'est le minage bourrin, en gros. Hop, donc vous minez tout ce qui passe devant vous, à peu près. Pas besoin de réfléchir, vous mettez un peu de musique, ça passe très bien. Ça pète totalement les pioches, mais vous êtes sûr de pas manquer le moindre ressource. Et il y a beaucoup moins besoin de se concentrer que sur le minage normal, parce que le minage normal, vous devez faire la ligne correctement, regarder en permanence s'il n'y a pas un bloc, un endroit, alors que là c'est juste fuck you, je pète tout devant moi. Et c'est beaucoup mieux, ça va beaucoup plus vite. Hop. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour répondre à des questions, tant qu'on y est. Autant, on va dire, optimiser le temps et faire un maximum de choses. Donc avec le... Vous voyez là, il se régénère plus, donc normalement si vous le régénérez, dégage. Si vous le régénérez et que vous avancez, vous avez encore une portée à atteindre pour à peu près arriver à un peu plus loin quoi. Donc par exemple ici. Je vais éviter d'aller trop loin, sinon quand on le perd, on risque d'avoir des blocs invisibles. Alors, ici on n'a pas encore trouvé vraiment de ressources, on va faire par ici aussi. L'avantage c'est que ça fait plein de stone. Surtout si vous le faites assez touch. Du coup, pour ceux qui ont une grosse consommation de stone, c'est pratique. Hop. Parce qu'il y a des fois, vous avez une consommation de stone pas telle que même du minage optimisé, ça suffit plus niveau ressources. Donc ouais, c'est ce genre de pratique qui est recommandé alors à ce moment-là. Il y a un peu de redstone ici, on va la prendre. On dit pas non, un peu de redstone. Il y en avait encore là. Encore là aussi. Non, il y en a plus, c'est bon. Hop. Okay, on va mettre un peu de torche. Il y en a encore ici, tiens. Ok. Hop. Prenons tout ça. Hop. F5. Pourquoi F5? C'est quoi la touche pour refresh? Ah, ok, c'est ça. Ouais, tu vas faire du Sama Games quand il sera réouvert. Oh oui, pourquoi pas. Maurice, c'est quand la prochaine FAQ? Je ne sais pas. Ouais, Dorok consomme un max de stone. Roi Louis aussi, donc bon. Si je peux les aider niveau stone tout en me faisant des diamants. Qu'ils ne payeront pas, hein, je me fais des diamants en minant. C'est une P9 pour tout le monde. Plutôt miner, plutôt manger ce stack. Ok, alors on va continuer. Donc c'est tout bêtement ça, hein. C'est simple. J'aime bien. Ça c'est marrant à faire, je trouve. Enfin, c'est ça détend, quoi. Franchement, un petit peu de musique et puis c'est parti, quoi. Y a pas vraiment pas besoin de réfléchir. Alors ici, est-ce que je suis loin du beacon? Ça se refresh? Non, ça se ah si, ça se refresh encore. Je suis encore à portée du beacon. Hop. Allons voir le plus loin que je puisse aller sans que le beacon ne marche plus. Ça se refresh encore? What? Oh, on est encore très près du beacon alors. Il va me falloir de nouvelles torches. Et vous voyez, j'ai déjà pas mal de stone. Hop. Tac. Tac. Et bon, c'est bon. Ok, on va récupérer tout ça. Là, je vois un peu de gravier. On va revoir le gravier. Bon, ça fera du gravier, c'est bien ça pour le chemin. On va tout récupérer. Fuck that shit. On va laisser un sol quand même. J'aime pas trop enlever le sol. Hop. Un petit peu de fer, c'est toujours bon. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'or, le lapis, lazuli et les diamants, bien sûr. Mais si je peux avoir un peu plus de fer, je dis pas non non plus. Même si j'en ai déjà énormément, mais bon. Voilà quoi. Hop. Un peu de charbon, tiens.
Ouais, le charbon c'est pas très intéressant par contre. Le fer là, je vais peut-être le laisser, ça m'intéresse pas tellement. Ok, je vais peut-être récupérer les blocs. Ok, j'ai plus de place. Tu pourrais nous faire une usine à moutons au château quand vous passerez à une nouvelle snapshot. Ouais. Alors. J'ai plus de place vraiment, je vais devoir refaire un coffre, je pense. Ce sera plus simple. Tac. Hop. Enlevons ce bloc de merde. Hop. Et les ressources spacieuses, je les mets toujours dans ce coffre là. C'est pour ça qu'il y a ce coffre ici. Et puis il y a le coffre de la merde. Ici. Hop. Non, ça c'était pour les torches, je vais le garder. Tac. Et ça, je vais m'en débarrasser. Reste ici. Ok. Allez, je vais me mettre ici, comme ça on n'a pas le... Bon, ouais, en effet, j'ai vraiment pas beaucoup creusé de ce côté-là. Là, j'ai creusé jusqu'à la portée, là-bas aussi. Là, il reste un peu dans le coin. Là, il en reste encore beaucoup dans le coin. On voit, j'ai été jusqu'au maximum de la portée là-bas. J'ai laissé encore cette partie. Donc, ouais, il y a encore de la place. Donc, ouais. Ça va, il y a de quoi faire encore. Tranquille, tranquille. Hop. Oh, du fer, ça m'intéresse pas. Je vais récupérer les blocs, tiens. Donc, j'y suis. Hop. Et placer quelques torches. Ça fait pas de mal. Hop. Plein de stone. Roi Louis serait content s'il était là. Tac. Hop. Ok, on va se débarrasser de cette dirt et on va continuer de miner tranquillement. Je t'ai envoyé un message sur Skype. Ah non, c'est qui parle à quelqu'un d'autre. C'est quoi ton enchant sur ta pioche? C'est du... Il faut du Ace 5. Enfin, il faut de... Non. Il faut de l'efficacité 5 et du Ace 2 pour que ça fasse de l'insta-break comme ça. Et puis j'ai un homme breaking 3 et un slow touch. Ce qui est toujours bien. Hop. Dégager. Bande 2. Il y en a une sacrée quantité. J'aime pas le gravier des fois quand je fais ce minage là. Ça prend beaucoup de temps de l'enlever et. Le temps, c'est du diamant. Enfin, pas vraiment. Enfin, si, en fait. Hop, on va enlever ça aussi. Je vais enlever tout ce coin-là. J'ai envie d'enlever ce coin-là avant d'enlever ça. Hop. Comme ça, ça marche bien, tiens. Je mine souvent de gauche à droite, mais de haut en bas. Ce qui est l'avantage, c'est que je fais un mur beaucoup plus droit. Ce qui est beaucoup plus avantageux. C'est un peu chiant de récupérer les blocs quand ils sont dans... Coincé un peu n'importe où. Ok. Petite torche. Un petit coup de stock. Une petite question. Tu es tout seul sur le serveur? Oui. Pour le moment, en tout cas. Hop. Alors, gravier. Ça fera du gravier pour les chemins. C'est cool. D'ailleurs, j'ai un chemin à faire vers le spawn. Enfin, depuis le spawn jusqu'à mon château. Donc, on pourra faire ça après. Mais d'abord, j'aimerais au moins trouver une fois des diamants, histoire d'avoir une séance productive. Hop. Bon, c'est déjà productif niveau stone, ça c'est clair. C'est toujours ça. Par contre, ça c'est clair, ça coûte cher au niveau pioche, hein, ça, y a pas à dire. Ouais, ça coûte très cher. Encore du gravier? Encore du gravier? Oui, mon seigneur. Plutôt faire verticalement. Ah voilà, j'ai plus de haze justement, voilà. On va enlever cette partie là, comme ça je peux récupérer la stone. Hop, on va récupérer ça aussi. Tac. Et on va prendre le gravier tant que j'y suis. Hop. Ok, là je suis à nouveau dans le haste. Ce gravier est très embêtant. J'ai déjà mon inventaire pratiquement plein, quoi. Ça va à une vitesse. On en mine, hein, des blocs, hein. Ça, je peux vous dire. C'est pour ça que c'est la technique ultime de minage. Si vous minez énormément de blocs. Bon, là, il y a de la lave, faut que je fasse attention. C'est un peu dangereux. Hop. On va faire un peu le bord de ici. On va revenir vers le gravier, tiens.
Je pense que je vais aller me vider aussi. Ok, il y a plein de gravier ici encore. Et je suis plein. Alors on va le laisser là pour le moment. Minecraft est un jeu aventure en quelque sorte. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu d'aventure, mais aussi un côté technique. Alors, stone. Hop, gravier, on va le mettre là. Colle et tout ça. Il y a encore du gravier. Le colle et tout ça, on va le mettre là. Tac. Et on va continuer. Tranquillement. Oh, et tu vas faire quoi de la mine quand elle sera à sec? Bon, on va laisser un énorme trou en bas du sol. Ouais, c'est à peu près ça en fait. Il y aura un énorme trou en dessous du... Là, je suis en dessous du désert, en fait, côté de chez moi. Donc, il y aura un énorme trou en dessous de ce désert-là. Ce qui est pas trop grave. Ok, encore du gravier. Dégage ! Je déteste ce gravier. Yeah ! Beaucoup plus simple. Hop. Ah, j'y suis pas arrivé. Pas grave. Fuck that shit. Je vais laisser le gravier parce qu'il commence à m'embêter. Par contre, j'aime bien l'or ici. Hop. Hop. Ok. Et je rebauche toujours parce que sinon, j'ai toujours peur d'avancer. Je ne regarde pas forcément où je vais quand je mine comme ça, donc il vaut mieux que le sol soit parfaitement plat. Un accident est vite arrivé. Encore un peu de redstone, tiens. Hop. Toi ici. Ce coin-là, je l'ai pas beaucoup fait aussi. En plus, il y avait de la lave, par contre. Ouais. Un peu chiant, la lave. Ça tombe vite. Il y a aussi un bug qui fait que les blocs... je sais pas si on le voit. Si je mine... Voyez, là. Et des fois, je mine un bloc qui devient noir et puis il traverse et il disparaît. Donc ça, c'est assez problématique. Donc il y a une perte au niveau des blocs. Typiquement, là. Hop, ça pète les torches aussi, ça c'est chiant. Alors... Allez, quelques diams. Pitch, please. Ok. Ouh, c'est un gros lac. Tac. Ça c'est fait. Ouais, il y a pas mal de lave là-dedans. J'aime pas quand il y a de la lave. Hop, je vais éviter de faire cette partie-là, il y a trop de lave, on perd en vitesse ici, il faut à nouveau réfléchir pour enlever la lave, c'est chiant. Très efficace ce minage pour l'instant, 0 diamant, ouais. Mais, ça fait pas très longtemps que je mine aussi, hein. Donc ouais, il y a aussi, vous pouvez miner comme ça aussi, ça marche. Genre vous minez comme ça. Ça c'est quand vous voulez vraiment énormément de stone. Parce que c'est très simple de miner comme ça. Il suffit de miner bêtement vers le haut, ça va tellement vite. Normalement il y a des diamants à ces couches là, parce que je suis à la couche 11, donc il y en a peut-être de cachés là-haut. Donc ça a de l'intérêt quand même, mais bon. Par contre là c'est clair, vous récupérez énormément de ressources. Mais c'est vraiment une technique qu'il faut faire si vous voulez, si vous avez besoin de beaucoup de stone ou autre chose, sinon voilà quoi. Bon, bien que j'aime bien, je trouve ça assez fun. Hop. J'ai bien les particules qui sont noires pendant une seconde, ça fait un peu bizarre. Hop. Ok. Vous voyez là, maximum de stone en un minimum de temps. C'est ce qu'a fait Ranyan, il me semble, c'est lui. Enfin, il a fait sur cette hauteur là en tout cas. Hop. Et vous devez le faire à la couche 11, tout simplement pour être au-dessus des lacs de lave, comme ça vous êtes tranquille. Sinon ça va vous embêter, croyez-moi. Hop. Ça, ce sera de la stone pour Waluigi. On va déposer la torte et le gravier. Et les minerais. Hop. De toute façon, les diamants, c'est aléatoire aussi, hein, donc c'est pas comme si j'allais en avoir directement. Il y a des fois je mine un énorme pan de mur, il n'y a aucun diamant, et puis des fois je mine un petit bout de mur, je trouve plein de diamants. C'est totalement random.
les gens se disent « Ah, il y a un diamant qui s'est généré là, donc c'est pas possible qu'un autre diamant soit généré dans la zone. » Non, ça marche pas comme ça, l'aléatoire. C'est totalement aléatoire. Donc, si bien vous allez avoir plusieurs packs de minerais l'un à côté de l'autre, et des fois, rien du tout. Donc ouais, minez partout, comme ça vous êtes sûr. On va enlever cette zone-là. J'ai beaucoup trouvé de diamants dans cette zone-là, donc peut-être que j'aurai encore de la chance. Enfin, quelque part par ici, j'en avais trouvé en tout cas. En tout cas, il y a de la redstone, c'est toujours ça. Hop. Même si j'en ai pas vraiment besoin en fait, mais bon. Hop, on va lever. C'est parti. J'aimerais bien quelques diamants. Merci des diamants, allez. Alors, feras-tu KTP saison 8? Oui, je participe à KTP saison 8. J'ai entendu un squelette. J'ai oublié d'éclairer d'ailleurs. Ramassons les blocs. Il doit être au-dessus. Je l'entends, mais il est pas vraiment là, donc ouais, il doit être au-dessus. Il y a une caverne là en plus qui vient ici. Ou alors c'est moi qui ai creusé ça, je sais même plus. J'ai plus le haste, fuck. Je suis trop loin. Est-ce qu'on a le haste ici? Ouais. Normalement, ouais, on peut aller jusque là-bas. Donc on est vraiment à la limite du refresh du haste. On va faire cette zone-là, tiens. Allez, fuck it. Avec un peu de chance, il y aura quelques diamants. Je vous le dis, hein, niveau des pioches, c'est pas du tout la technique la plus optimisée. Là, vous... Si vous voulez vraiment optimiser, faites le minage comme on vous l'a déjà appris, de toute manière. Hop. Sama Games ouvrira normalement dans la soirée. Pour plus d'infos, suivez Sama Games sur Twitter. Oui. C'est la meilleure chose à faire d'ailleurs. J'ai pas de haste ici? What? Bah si. Ok, c'est bizarre. On va enlever ça. Pour aller plus vite, vous pouvez creuser sur deux blocs de hauteur. Là, vous irez vraiment là plus vite possible. Mais bon, trois blocs, c'est déjà pas mal. Aussi. Vous voyez ici, j'avais creusé à deux blocs de hauteur, mais j'ai rectifié après. Et là, on a entendu un bloc cramer parce qu'il a glitché dans le plafond et il y a de la lave au-dessus. Je suis pratiquement sûr que si je creuse comme ça, comme un fou allié là-haut, vous voyez, il y a de la lave. Donc, preuve que ça glitche bien dans le plafond au-dessus. Hop, on va récupérer tout ça. Pas très fructueuse cette chasse aux diamants, mais après, on va dire que la zone était déjà bien exploitée. Par contre, niveau stone, c'est clair, j'en connais un qui va être heureux. Hop. On va refaire un coffre. 1, 2, 3, 4... À vite, on pourrait faire un minage opti normal, ça pourrait être intéressant pour être sûr d'avoir du diamps parce que j'aimerais vraiment bien en avoir. Hop, hop, ok. On va faire un minage opti normal, je vais vous montrer comment je fais. J'ai une source d'eau ici, tiens. J'avais oublié de déposer ces blocs aussi. Mais on garde un petit stack. Prends une autre mine, ouais. Ils sont où les diamants? Dans le sol, quelque part. C'est random, les diamants. Random. Par où on va, là? Je vais vers l'est. Je devrais peut-être aller plutôt vers le... C'est par quelle direction? Le spawn est à l'ouest, il me semble. Donc le spawn est par là. Donc le nord... Non, c'est bizarre, attendez. Il faut que je sorte dehors, voir où je suis. Ah, quoi que, comme ça, là, je peux voir où je suis. Normalement, je vais aller voir au-dessus, je suis sûr. À quand le slow de 1 heure? Jamais. Il n'y a pas de condition pour la génération du diamant, hein. C'est aléatoire, vous vous rendez pas compte. C'est genre... Oh! On est entre telle couche de bloc et telle couche de bloc, bah le diamant peut se générer. Ok, je le génère. Oh, et dans ce gisement de diamant là, il y en aura 5 blocs. Point. Voilà, c'est aléatoire.
Il n'y a pas de... Oh, il y a de la lave à côté, je vais faire des diamants. Non, ça, ça fonctionne pas comme ça. Alors, donc la maison est par là, donc on a la carrière de sandstone ici. Du coup, je vais essayer de miner par là, je pense. Par-dessous l'océan. Sous l'océan. As-tu suivi la coupe du monde? Ouais, non. Un slow de 6 mois, non. Ouais, tu trouves que beaucoup de youtubeurs décrochent de Holy Cube. Surtout qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances et forcément on décroche au bout d'un moment de Holy Cube. Mais ça, c'est normal. Mais il y a aussi une partie des viewers qui ont décroché de Holy Cube. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier. C'est des viewers qui sont là. Ouais, fais plus de Holy Cube, fais du FTP. Si les gens même le font ça, donc je dis. Voilà quoi. Ah, du coup, c'est par là que je dois le faire. Hein. Du coup, je vais vous montrer ma technique. Enfin, c'est une technique existante. Hein. D'abord, on va faire un mur à peu près droit. Comme ça. On va le faire en hauteur aussi. Hop. Voilà. Alors. Bloc invisible. Fuck. Login. Gigin. Problème du Ace. Ok, la meilleure technique c'est d'avoir une galerie, 3 blocs, une galerie. Et avoir une galerie là. Comme ça vous contrôlez les blocs là, ici. Puis avec cette galerie là vous contrôlez les blocs là. Puis avec cette galerie là vous contrôlez les blocs là. Donc on a une couverture à peu près parfaite des blocs. Il y a aussi une technique qui... où vous mettez encore plus d'espace. Et vous partez du principe que un gisement de minerai de diamant fait plus qu'un bloc, donc il devra forcément apparaître à un endroit ou à un autre. Mais bon, j'aime pas trop cette technique là. Et du coup là c'est juste en ligne, tranquillement. Là c'est clair, vous optimisez votre pioche. Là il n'y a pas plus optimisé, hein. Franchement c'est... Si vous voulez contrôler tous les blocs, c'est la meilleure et la plus optimisée. Il n'y a pas mieux. Donc ouais, un message toutes les... Non, il faut pas s'amuser avec les slow, c'est pas bien. Fidamado. J'adore. Pourquoi tu fais pas la technique Opti José machin? Je ne sais pas qui est cette personne et je ne sais pas quelle est sa technique. Cette technique là marche très bien, ça je le sais. Enfin, il y a la bonne vieille... La bonne vieille quoi, mais bon, la bonne vieille elle est un peu... La bonne vieille est profitable si vous le faites que sur une seule couche. Celle-là est profitable si vous le faites sur deux couches. Et c'est assez profitable de le faire sur deux couches si vous êtes sûr d'avoir tous les diamants. Mais bon, ça c'est encore autre chose. On va aller jusqu'au bout. Ça va plus vite avec le S quand même. Hein. Si vous avez des questions, en tout cas, je n'hésite pas à répondre. Pourquoi ? Quand je fais du terraforming, mon mordelit ne me fait que des sphères de 5 max. Parce que dans le fichier de config, tu as dit que les sphères faisaient 5 max. Donc il faut modifier le fichier de config. Et mettre des sphères plus grandes. Pas trop grandes non plus, hein. Sinon c'est un peu what the fuck. Hop. Voilà. On va continuer. Ouh, de la redstone. Vérifiez toujours la diagonale, les blocs aiment bien se cacher. C'est bon, là il y en a plus. Auré, tu vas faire un KTP avec des abonnés. Pas que je sache. Par contre, il y a un UHC sur Sama Games, donc ça compte comme un KTP, c'est vrai. Hop. Tu sais, tu savais que tu pouvais avoir du quartz à l'infini? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Ça sent un peu le cheat, ça. Ça fait penser aux pubs à la télé, genre vous voulez des choses à l'infini. Non, j'ai pas envie de ton arnaque, merci. Oh, et mon minage de cube jusqu'à un diams. Ouais, dès que j'aurai mon diams, j'arrêterai et j'irai faire mon chemin. Mais je veux un diams. Je veux mon diams.
As-tu vu la map Tenteron que j'ai proposée pour ton serveur sur le forum? Non, je ne l'ai pas vue. Par contre, au final, j'ai miné des diams, mais j'ai pété une pioche, donc c'est pas très rentable tout ça. Pour le moment, c'est vraiment pas rentable en fait. Le Voxel Sniper est seulement pour le multi, ouais. Ils vont faire normalement une version multi, enfin solo plus tard. Mais je suis pas sûr que ce sera. Ah bah voilà. Il suffisait de demander. Des diamants. Vérifier la diagonale, on ne sait jamais. Ok, y'a rien. Y'a rien. Quittons ce trou. Ah, j'ai mes diamants. Il y en a 4. Avec la fortune 3, ça veut dire au moins 8 diamants, si tout va bien. Donc ouais, ça va. Pioche rentabilisée. Origa TP sera solo ou multi. Haha, qui sait. Quand sera le prochain jeu sur Soma Games? Il faut finir de le développer déjà. C'est déjà pas mal, donc ça prend du temps de développer un jeu si vous ne savez pas. Donc ouais, je peux pas vraiment te donner de date pour le moment. Hop. Surtout qu'on a beaucoup de corrections de bugs pour le moment. Et puis si on passe 3 jours, enfin pas vraiment 3 jours. J'entends un bruit. Ah non, c'est la musique qui a se brûlé, on aurait dit un bruit de zombies. Si on passe 2 jours à reconfigurer le serveur parce que quelqu'un s'est amusé à se foutre en l'air, forcément on perd énormément de temps. Nye. Hop. J'adore les gens qui disent tu participeras à 4P8 alors qu'il est déjà tourné. Oui, il est déjà tourné, donc j'ai participé, pas besoin de poser plus la question. Non, je ne fais plus de terraforming. Qu'est-ce qu'une batte fait ici? What the fuck? Ok, je vais aller voir les meumeux. Elles n'ont pas dû grandir normalement parce que j'étais pas encore assez proche. De Koryu, tu ne connais pas ce qui s'est passé dans cette saison de KTP. Pitch, please. Les vaches ici. Je suis au bon endroit, je me disais où est-ce que je suis? Je suis au bon endroit. Oh, est-ce qu'il y aura Mister Evener 1KTP8? Je ne sais plus du tout. Elles n'ont pas fini de grandir, en effet. Pas grave. Pas grave. Je vais récupérer quelques stacks de steaks et je vais revenir au château et on va faire ce chemin. J'aime bien faire des chemins. J'aime les chemins. Je pense que la prochaine fois on pourra travailler sur la muraille. Et peut-être même le pont-levis si je trouve un design correct. Alors... on va prendre des steaks, c'est ce que je voulais, oui. Hop, 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 hop. Ça devrait suffire pendant un petit moment. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faudra d'autre? De la cobble, j'en ai plus beaucoup là-bas. On va déposer un peu de stone d'ailleurs. Et on va mettre ça à cuire. Comme ça, ce sera trié automatiquement. La redstone elle va là-dedans. On va prendre un peu de redstone d'ailleurs. Hop. Pourquoi tu dis 8 à la place de... Non, je dis pas 8. Je dis pas 8. Ah non, oui. Non, je dis 8. 8, 8, 8, 8. Fuck you. Sinon. Hop. Voilà, je suis prêt. C'est bon. Ce sera pour les dispensers, enfin les droppers et tout ça. Visite guidée des égouts. Nye. J'aurais pu venir à cheval en fait quand j'y pense. Ça aurait été plus intelligent. Plus rapide à cheval. Il fait chaud dans les pièces où je suis. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. C'est bon, fenêtre ouverte.
Ouais, c'est l'accent belge. Fuck you, that's why. Ouais, tu peux montrer ton système pour trier le redstone, s'il te plaît. Je l'ai fait en vidéo, donc voilà. Tu regardes sur ma chaîne, tu tapes salle des coffres, tu devrais trouver. Alors, vite fait, au spawn, c'est... C'en est où le projet des Olympiades Olycubiennes? Pour le moment, comme il n'y a personne sur Olycube, c'est un peu à l'arrêt. Donc ouais, mais bon. Super action de chez nous. C'est mignon, les 8. Non, c'est pas mignon. Aurait qui gagne KTP saison 8? Eh bien, c'est Bob Lennon qui gagne KTP saison 8. Tout simplement. Vous... Pourquoi on me pose à chaque fois... Pourquoi les gens posent à chaque fois cette question? Comme si... Ah oui, je vais te faire une confidence, toi, personne que je ne connais pas du tout, je vais te dire le gagnant de KTP et du coup faire un énorme spoil que tu vas révéler à tout le monde. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est aussi comme les gens qui font oh Aurélien, je t'aime, ou je sais pas quoi, pour... Parce que ils croient que... Oh, cette personne m'a dit je t'aime, oh, il doit vraiment m'apprécier, alors je vais aussi l'apprécier. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous dites ce genre de choses, c'est que vous n'y connaissez rien en relations humaines. Mais alors vraiment rien. C'est pas comme ça que vous allez vous attirer des bonnes relations avec les autres. Ça marche peut-être avec des personnes que vous connaissez, mais dans la vraie vie, non, ça marche pas comme ça. Donc ouais. Si vous voulez qu'une personne vous apprécie, il faut... faut faire des choses qu'elle apprécie. Pas juste dire je t'aime ou je ne sais quoi. Donc évitez de perdre votre temps à dire ça à n'importe quel youtubeur parce que franchement vous perdez votre temps. Dites plutôt des remarques constructives. Moi je sais bien que les abonnés que je retiens le plus c'est genre les abonnés qui me laissent souvent des remarques constructives et tout ça. Pas forcément le mec qui me dit à chaque épisode « Oh Aurélien, je t'aime !» Ouais. Et puis c'est plutôt « Aurélien, j'aime ton travail !» que vous devriez dire au final. Parce que c'est pas tellement la personne que vous aimez, quoi. Alors, on va mettre les steaks ici, fuck it. Est-ce que c'est normal, mais à toutes les 3 secondes, la vidéo se reload? Non, ça c'est pas normal, par contre. C'est vraiment pas normal, d'ailleurs. Si t'as ça, essaye de refresh ta page, peut-être. Un peu d'amour dans ce monde de brutes. Remarque constructive, brick. Ok. Arrêtez de perdre votre temps à dire ça car vous perdez votre temps. Auré 2017. Le gagnant de KTP 8, c'est Bob. Non, pas Bob Lennon, c'est Bob l'éponge. Non, c'est pas Bob l'éponge, c'est Bob Lennon. Alors, je vais manger mon steak. Ah, j'ai oublié de reprendre le gravier tant que j'y étais. Fuck. Fuck. Bon, j'ai encore un peu de gravier. Mieux que rien. Hop. Est-ce qu'il y en a ici? Nyeh. Nyeh. Il me faut des dalles en cobble aussi, d'ailleurs. J'ai beaucoup de cobble sur moi, donc je pourrais en faire. Je vais faire un deuxième coffre ici. Allez, fuck it. Tranquille, YOLO, swag, hit. Alors, on va mettre la plupart des choses. On va garder un peu de cobble quand même sur soi. Voilà. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. C'est par là. Je savais pas où aller. Pendant un petit moment. Ok. Yamakaki! J'avais prévu que l'eau serait en dessous. Elle n'était pas en dessous. On n'avait rien vu. Ok, donc le chemin doit arriver à peu près par ici. Je sais pas encore comment, mais il doit arriver par ici. Ce qui serait peut-être bien, c'est de le faire passer sur ces rochers. Comme ça ici, et puis il redescend là, et genre, il passe par là, ça en reboucherait. Donc il passerait sur les rochers là, il passerait sur l'autre rocher là, et puis genre il passerait là, et puis il arriverait là, et puis voilà, et puis il y aura un pont ici, et puis voilà.
Auré Rip 1985-2014. Je crois que t'as pas vraiment ma date de naissance, mais bon. Est-ce que Shuka est le cousin éloigné de Aurélien? On est tous des cousins éloignés. Normalement, on a tous un lien de parenté jusqu'à... En fait, vous pouvez trouver un lien de parenté avec n'importe qui jusqu'au 8e cousin, enfin, 8e degré. Donc, le cousin du cousin du cousin du cousin du cousin, quoi. En gros. Donc, ouais. Parce que techniquement, on descend à peu près des mêmes personnes, mais où il y a eu forcément des relations entre des ancêtres plus ou moins éloignés. Hop. Alors, j'avais déjà commencé le chemin, il doit être quelque part par là. Il y a un slime qui est en train de se mourir. Et il faut que je rebouche cette cascade aussi. Je vais aller faire ça tout de suite parce qu'elle gêne un peu. Hop. Bijour. Ah, carrément. Elle vient de loin, hein. Tac. Yeah. Dégage. Saloperie de slime. Oust, hors de ma vue. Vu le gredin. Ok, j'ai mon pont qui arrive là-bas. Ouais, j'allais faire un... Je sais plus comment j'allais faire. Oui, j'allais faire un pont, le faire passer là. C'est plus simple. Attendez, je vais prendre de la hauteur, comme ça je vois mieux ce que je fais. Le faire passer là, ici. Du coup, ce serait intelligent de le faire passer là-haut, ici. Ou alors le refaire passer là. Ce serait plus simple ici, en fait. Bien que je devrais enlever ce rocher ici et ce rocher là. Que faire? Que faire? A plus à ceux qui partent. C'est quand la pause? La pause, c'est... Je ne sais plus quand c'est la pause. C'est dans 4 minutes. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'était une vache. Je me disais bien. Qu'est-ce que c'est là? Non, c'est une vache. Ok, bon, bah, on va faire un pont, en fait. J'avais déjà commencé le chemin. Il est tout bête, hein. C'est vraiment un chemin de base. Vraiment. Mais vraiment base. Bien que j'avais comme... Ah non, j'avais... Ouais, j'avais remplacé des blocs. Parce que j'avais mis d'abord des trucs en cobble comme ça, c'était pas très beau. Dégage. D'ailleurs, ça manque de lampes par ici. Et puis j'ai changé, j'ai mis des barrières avec des trucs en bois et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc ça, ce sera le chemin qui se baladera le long de l'eau. C'est assez classe, j'aime bien. Hop, on va manger un petit steak. Et là, ça partirait justement jusqu'au spawn. Donc j'avais déjà commencé. D'ailleurs, là, il manque un bloc. Hop. Ça irait jusque là-bas. On va aller couper un peu de bois parce que j'en ai plus du tout. Là, il y a le stand d'archerie de Edo qu'il a construit en live, tiens. Là-bas. Ça, c'est la cible. Du coup, il me faut ma hache. Oui, j'ai ma hache, c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai plus dit. Est-ce qu'il y a encore de la bonne mille là-dedans, par contre? Ça serait intéressant de savoir, ça. Il me semble pas l'avoir rempli. C'est totalement vide. Problématique. Où est-ce que j'ai une réserve de bonne mille? Où est-ce que j'ai une réserve de bonne mille? Chez moi. Fuck. Il y a plusieurs choses à faire, tiens. D'abord, je dois aller élargir le chemin du Nether parce que je peux pas passer à cheval. Comme ça, je pourrais passer à cheval, aller chercher de la bonne mille. Et puis, faire ce foutu chemin. Parce que j'aurai mon bois. Ce serait bien. Hop, j'aime bien passer par ici. Je fais comme ça, hop, hop. Ok, bah, je pense que... Ça fait combien de minutes, là? Ouais, on va bientôt faire une petite pause de 5 minutes. Et on ira terminer ce chemin, si possible. Où est-ce que je suis? C'est ici. Le problème, c'est que voilà, il y a les blocs qui soutiennent en quelque sorte ça, mais ils empêchent surtout que qu'on puisse passer à cheval, en fait. Donc on va aller les enlever. J'aurais pas dû enlever celui-là. Hop. Et on va modifier aussi beaucoup de choses tant qu'on y est. Donc ceux-là, on les enlève aussi. C'est un peu du gâchis d'utiliser la pioche Steel Touch, c'est pas grave. Il y avait de la lave au-dessus. Il y avait de la lave. J'ai entendu le bloc glitcher aller dans la lave.
Il y a un premier portail, c'est pas vraiment important. On continue d'avancer. Ok, c'est bon. Par contre, il vaut mieux éviter les portails comme ça. Toujours bon d'avoir, genre empêcher de passer au moins un cheval, mais d'avoir des blocs comme ça où il peut pas glitcher dedans. On va remodifier aussi ça, on va les remettre sur le bloc d'en dessous. Comme ça, ça empêche les mobs de spawner dessus, c'est toujours bien. Hop. On met tout ça jusqu'ici. Puis ça fait plus beau esthétiquement, je trouve. Hop. Enlever là aussi. Pour mettre une couche de stone brick aussi, tant que j'y suis. Est-ce que j'ai tout? Oui. Là d'ailleurs il n'y avait même pas de trapdoor donc on va pouvoir la remettre, c'est cool. Est-ce que j'ai tout? Oui. Du coup, là on va enlever, on va mettre de la stone brick. Je vais en refaire d'ailleurs. Bon, allez, on va faire tout un stack. Fuck that shit. Donc comme ça. Et il manque un bloc au-dessus, j'allais oublier. Il faut un escalier ou autre chose. Ou alors on utilise des... Des blocs de verre, c'est le mieux. Comme ça, le cheval peut toujours passer sans problème. Après, c'est pas forcément esthétique. Bon, on va utiliser les blocs de verre, fuck it. Hop. Donc là, il y a le virage, on peut pas vraiment le faire. Là, c'est son truc pour les chevaux. Donc, on va continuer. Nope, je devais pas l'ouvrir. Hop. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on arrive jusqu'au dessous? Pas vraiment. Est-ce que j'ai du bois? Oui, j'ai du bois. Je vais peut-être pouvoir le terminer. Tac. Trappe d'or. Oui. 14. Non, il m'en faut un peu plus. Hop. Normalement, ça se devrait permettre, voilà, de compléter le bois. Et de compléter le chemin, surtout. Hop. Tac, tac, tac. Yes! Maintenant, il manque un bloc de verre là-haut. Mais quel bloc de verre? Un bloc de verre blanc, c'est le meilleur, je trouve. Techniquement, on pourra aussi. S'il n'y avait pas des trucs ici. On pourrait dégager. Dégage. Dégage. Avoir ça. Et des trucs par-dessus. Et on peut toujours passer à cheval. Ça, c'est bien. C'est l'avantage des dalles, enfin des trappes d'or au sol, mais on les... c'est plus facile de les mettre. Hop, manger un petit coup. Non, j'étais en 720p, maintenant ça fonctionne. Aurait la pause, oui, on va faire la pause. Du coup, je me déconnecte par sûreté, je relance l'enregistrement. Et on va finir ce chemin. Ou en tout cas une partie, ça serait déjà pas mal. Donc ce sera la dernière partie du live Holycube. Alors, où suis-je? Je suis là. Bonjour les pigmen, j'ai envie de vous tuer. Pourquoi il y a... Pourquoi c'est fermé là, je me demande. On fait le fifou? YOLO! 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 Je sais pas, mais je pense être un peu... dans la merde. Tire au pigman, tire au pigman. Mourez, bande d'enfoirés. C'est bon, ils sont morts. Yeah. Je purge le spawn de tous ces pigmen et je me fais un peu d'XP au passage, c'est cool. Hop. Ok, ça va être sans fin maintenant. Ok, t'as avancé d'un coup, toi, c'était un peu perturbant. Come at me, bro, come at me. Ah, ils tournent autour, au-dessus. J'avais oublié qu'ils étaient coincés au-dessus. Il était
pas forcément un gros celui-là. Maintenant il l'est. J'aime bien tuer les pigmen. Ça détend. Où sont les autres? Où êtes-vous? Ils sont pas gros, c'est au-dessus? Étonnant. Ah non, ils sont pas là, what the... Ah, ils sont en dessous. Ok. Le mec qui assume pas. Auré le sadique. Freeze chez moi, ça c'est pas possible, Freeze. Alors, on va faire ce que je voulais faire, c'est de l'autre côté. D'ailleurs j'ai oublié de mettre la stone brick sur le bord là, fuck, tant pis. Il me faut du verre, il me faut du verre. Ah, c'est bon, vous êtes gentil. Salut. Ah, il revient au spawn avec moi, c'est cool. Je pourrais le violer. Oh! Hello! Oh, hello! Il y a du monde ici. Tellement de monde que j'en ai cassé ma canne à sucre. Incroyable. Hop. Vous n'avez rien vu. Je n'ai tué personne. Ça m'a fait quelques levels, c'est cool. Musique, j'allais oublier la musique. Ah, la musique. La musique, oui, la musique. Hop. Alors. Nope. Pas de place, pas de place. J'aimerais me débarrasser de ces conneries que j'ai pris. Hop, voilà. Et j'aimerais voir s'il y a du verre. Ouais, il y en a un bloc. Wouhou! Yeah! Yeehaw! Holy ho, man! Bon. Je crois qu'il n'y a pas grand chose, donc je pense que je vais passer à la dalle. Ce sera plus simple. Hop. La dalle de stone brick, c'est déjà pas mal. Fuck le verre! Il n'y en a pas. Hop. Ah, j'ai raté mon saut. Fuck, d'habitude je le réussis toujours. Il y en a un autre aussi que je fais, je sais plus lequel. Là il y a moyen. Non, c'est de l'autre sens que je le fais. C'est de l'autre sens, oui. J'aime bien faire des parcours de jump. J'ai l'impression. J'ai pas cassé un nénuphar là parce que. Il semblait qu'on pouvait passer avant. Je sais pas. Bizarre. Enfin bref. Les gens qui ratent pour la musique. La pause, je comprends pas. Ouais. Quoi? Ok, quoi. La musique et la pause, what? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ok. Pas très esthétique, mais au moins c'est fonctionnel. Ce qui est mieux que rien. Par contre, là on peut pas passer à cheval. Donc je dois enlever. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Ah non, il y a encore. Ouh, j'en ai pas assez là. Genre vraiment pas assez. Genre je vais devoir faire une table de craft. Au lieu d'un... Ah non, j'en ai une dans mon inventaire pour une fois. Hop. Tac. C'est bon, ça devrait suffire. Non, je te mets pas là toi. Tac. Et voilà. Ils veulent dire qu'ils veulent de la musique durant les pauses. Ah! Mais. Franchement, je serais plus d'avis des fois de que les gens se fournissent en musique eux-mêmes de leur côté. C'est plus facile au final. Et puis j'aime bien ne pas mettre de musique pendant les pauses, tout simplement. Comme ça, les gens, dès qu'ils, je sais pas, ils entendent le son de ma voix, bah, ils savent que c'est, ça redémarre, quoi, tout simplement. Bon, bien que les pubs font du son, c'est vrai. Mais bon. Et puis il y a le problème avec. Si je laisse la musique pendant les pauses, c'est-à-dire que je ne mute pas le son du PC
Mais le problème, c'est que par exemple, s'il y a quelqu'un avec moi sur Mumble, ben, on l'entend toujours. C'est un peu problématique. Et j'ai pas du tout été là où je devais aller. D'ailleurs, j'ai deux stacks de redstone à me débarrasser. Du coup, ça, c'est un peu chiant, quoi. C'est-à-dire que je devrais carrément être sourd aussi pendant, pendant la pause, quoi. Je vais déposer un peu de tout, en fait. Fuck that shit, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Ça, je vais les jeter, j'en ai vraiment pas besoin. Ça aussi, tiens. Hop, hop, hop. Ok, allons rechercher de la bonne mille. Et au passage, qu'est-ce que je voulais prendre? Je ne sais plus ce que je voulais prendre. Je voulais prendre quelque chose. Il y a quelque chose que je voulais prendre. C'est dans le coffre, il me semble. Mais... ah, j'ai oublié. Je ne sais plus du tout. Mais alors, vraiment plus. Qu'est-ce qu'il y a d'important là-bas que je devrais prendre et que j'ai oublié la première fois? Ce n'est pas de la stone. Ce n'est pas de la diorite. Ce n'est pas... c'est de la bonne mille que je dois prendre. Mais j'avais dit, je me suis dit dans mon esprit que je devrais prendre autre chose. Mais qu'est-ce que je devais prendre? Non, pas le cheval. Le cheval, forcément, je dois le prendre. Sinon, je pourrais pas aller chez moi. Enfin. Je ne sais pas. Bonne nuit, passage du code demain à 8h. Bonne nuit et bonne chance. Suffira TBI. Andésite. Non, c'est pas de l'andésite. C'est quelque chose que j'ai utilisé ici. Mais quoi? Je vois vraiment pas. Pourtant, je me suis dit vraiment dans mon esprit que j'en aurais besoin. What the fuck? Le gravier, voilà. Le gravier, quelqu'un me l'a rappelé. Merci. Didix. 3600, tu m'as sauvé le gravier, la vie. C'est à peu près la même chose, mais non. Quand tu fais un live KTP. Quoi? Live KTP? What the fuck, man? Ouais. Ouais, on pourra en faire techniquement, c'est vrai, mais bon. Voilà. Ok, allons directement à la maison. YOLO swag it. Sur mon cheval rapide. Hop, on va passer le portail tranquillement. On va passer le portail tranquillement, j'avance. Pouf, d'un coup, je suis plus du tout devant le portail. Vous connaissez Digidix? Non, je ne connais pas. Quoi? Quoi? What? Comment ça se fait que... comment ça se fait que t'as pris des dégâts? What the fuck, Minecraft? Des fois, je comprends pas, Minecraft. On prend des dégâts n'importe où. Ce n'est pas grave, mon petit cheval. Tu récupéreras ta vie. Il faudrait que je fasse plus de plage de l'autre côté. Hop, on va passer par ici. Ayon, tu en penses quoi des nouvelles snapshots? Des fonctionnalités très intéressantes dans les dernières snapshots. L'armor stand est pas mal. Il y a des propriétés très intéressantes. Il est soumis à la gravité et tout ça. En fait, c'est une entité, donc vous pouvez... il y a des trucs très cool qu'on pourra faire, c'est par exemple genre avoir un bouton dans une pièce, appuyer sur le bouton, il y a l'armor stand qui descendra de... enfin qui tombera du plafond. Vous pourrez prendre votre armure, en remettre une autre dessus, et puis rappuyer sur le bouton et genre l'armor stand tombe dans le sol, mais un piston avec un slime block le renvoie vers au-dessus, et puis hop, vous refermez au-dessus, c'est bon. Et là vous avez... c'est nickel quoi, vous avez... un truc d'armure à disposition, enfin c'est swag quoi. Il y a moyen de faire des choses sympas. Et puis il y a quoi d'autre? Il y avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette snapshot? Je sais même plus. Il y avait un autre truc important. Je me souviens, mais je me souviens plus. Il y a aussi un snapshot. Il y a un truc qui a l'air complètement pété par contre qu'ils ont mis en place, c'est maintenant quand un creeper chargé explose et tue un autre mob, ça drop sa tête. Le problème avec ça, c'est que ça fait la même chose avec les Wither Skeleton, mais à chaque coup, donc c'est 100% de drop de tête. Du coup, vous pouvez
avoir une quantité mais folle de têtes de wizard. Il suffit de... C'est possible, hein. J'ai déjà vu des fermes. Il y a beaucoup de fermes comme ça. Il y a beaucoup de fermes à wizard qui redirigent les wizards dans un portail du Nether. Comme ça, vous pouvez en avoir au-dessus de la limite de spawn. Comme ça, vous les mettez au, vous les mettez dans le monde normal, en fait. Si la limite de spawn du monde normal n'affecte pas le Nether, du coup, vous en mettez plein dans le monde normal, puis vous ramenez, puis vous les tuez. Mais là, avec ça, vous en mettez plein dans le monde normal, et il suffit d'avoir un creeper chargé qui les achève, c'est fini, c'est bon. Vous avez je ne sais combien de têtes de wizard. C'est un peu pété. Un peu pété. Du coup, il me fallait des os. On va aller chercher les os. Salut les os. On va prendre tout ce qu'il me passe sous la main. Fuck that shit. Allez, un maximum, comme ça on est sûr qu'il y en aura de la réserve. Voilà. Hop, repartons pour le spawn. Je vais prendre un peu de blé pour recharger mon cheval. Recharger mon cheval. Je vais recharger mon cheval comme une pile. Ouais. Hop, ici. Par contre, il faut que je me débarrasse de quelque chose, voilà. Hop. Ah, j'avais dit que je prendrais un peu plus de gravier, en fait. Ah, fuck. Du coup, attendez, je vais déposer... genre ça. Et puis, je vais aller chercher du gravier. Et il faut que je le cherche... enfin, il faut que je le charge, plutôt, à mi-chemin, en quelque sorte. Voilà. Après, une botte, comme c'est parfaitement en pleine santé. Bonne nuit tout seul, bonne nuit. C'est quoi ton pack de textures? Le Faintful. Texture pack, c'est dans mes vidéos. Tout simplement. Hop, c'est par ici. Ah, on peut pas passer, j'avais oublié. Aïe, ça fait mal. Je reviens le cheval, bouge pas. Est-ce qu'il y a du gravier là-dedans? Non, mais il y a un peu de stone. Je reviens, bouge pas. I'm coming back. Aurait le live lag chez moi, aide-moi s'il te plaît. Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Si ça live chez... si ça lag chez toi, c'est ta connexion, je ne peux rien faire. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Je ne sais plus parler. Je ne suis pas un miracle. Enfin, je ne peux pas faire de miracle en fait, surtout. Est-ce qu'il y a d'autres graviers? Là, il y en a pas, là il y en a pas, là il y en a pas, il y en a nulle part, ok, je me casse. Tu peux résumer ce que tu fais concernant les constructions médiévales, s'il te plaît? What? C'est-à-dire? Je ne comprends pas. Salut, petit cheval. Allons-y. Je pose des blocs et ça fait une construction médiévale, voilà, résumé. Dommage que le serveur ait été déserté, c'est tellement bien. C'était tellement bien au début. Ça peut être à nouveau bien. Ça, c'est, il n'y a pas de choses là-dessus. Oh, il y a des autres jeux sur Sama Games. Oui. Donc, moi, je pense surtout qu'il va rigoler parce que... Shiravadivat, quoi. Il y a des drôles de discussions avec Doku et d'une autre personne dans le chat, je ne sais pas. Depuis que tu fais des constructions médiévales, tu as fait quoi? Ah! C'est impossible de décrire tout ce que j'ai fait en médiéval, franchement. Impossible. Évidemment, on peut pas rentrer, il faut faire ça. Hop. Rester sur le côté. Et... je sais pourquoi il a pris des dégâts. Je sais pourquoi il a pris des dégâts. Je sais pourquoi. Voilà, c'est mieux comme ça. Reviens là. Enflure. Hop. Bon, moi je prends forcément des dégâts parce qu'il y a le portail. Ok. Reviens dans ton trou. Faut que je vais te mettre là-bas. Ce sera plus simple. Hop. Petite chute. Yolo! Bonjour la meme! Bonjour! Bonjour! Mrrr.
Ok, moi aussi je suis. Tu pues, fuck you. Vilain de vache. Vous avez vu comme elle m'a ignoré quoi? J'aime pas les vaches. Elles sont sans cœur. C'est pour ça que je les tue dans le feu et que j'en fais des steaks. C'est cool les steaks. J'aime bien les steaks. C'est très les modos pas sérieux. Vilain modo. C'était méchant mais bien trouvé, Old. Qu'est-ce qui est de méchant? Embrasse la oreille, MDR. Non, j'embrasse pas les vaches. À quand les nouveaux sur Holycube? À bientôt. Bah déjà, il faut attendre que Toy revienne, qu'on update le serveur, que les vacances soient terminées. Donc je dirais déjà vers septembre. Parce que les vacances, c'est vraiment une période creuse. Hein. Ça, y a pas à dire, c'est très creux. Y a pas beaucoup de gens qui sont là. Tout le monde part en vacances. Le problème, c'est que tout le monde part à des... Personne ne... Enfin, tout le monde part à des dates différentes, donc il y a toujours quelqu'un en vacances, du coup, c'est... Ça fait vite, quoi. C'est pas du tout là que je devais aller. Par là que je dois aller. Hop. Pourquoi je veux pas aller dans ton serveur? Il va, tu vas sur mon serveur, pas dans mon serveur, hein. Tu ne casses pas mon intimité comme ça, hein. Et puis voilà, hein. D'accord. Alors, il faut que je dépose quelques trucs en attendant. Attendez. Voilà. Non, c'était pas des os que je devais mettre là-dedans. Fuck. On va y aller directement à la source, ce sera plus simple. Hop. Hop. YOLO. Bijour. Ils sont là-dedans, normalement, les os. Voilà. On va juste jeter deux stacks. Faire d'abonne 1000. Et il faut la mettre dans celui-là. Hop. Tac. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, il y a... Je récupère mes os. Au passage. Ok, là, je peux encore en faire. Hop. Plus simple comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. 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 Plutôt avec les os que je devrais faire, voilà. Et ça c'est plein, et on va faire celui-là. Hop. 3 stacks d'os, c'est plein. Et on va remplir les dispensers maintenant. Ok. Ok. Plus de place que je le pensais dans ce dispenser. Voilà. Il faudra être bon maintenant. Pour un petit moment en tout cas. Oh, et tes vaches sont super gentilles, Irel. Ah non, les vaches sont... Je sais que les vaches sont très gentilles, Irel. Parce qu'il y a des vaches, là où j'habite. Beaucoup de vaches. Par contre, les taureaux sont des sales enfoirés. Ça, c'est clair. Mais je soupçonne la vache de tout à l'heure d'être un taureau. Parce que, pensez-y, elles se reproduisent entre elles, donc il y a forcément des taureaux. Des taureaux déguisés en vaches. Beaucoup de pommes là-dedans. Du coup, zone de récolte, oui. On va planter tout ça. On. C'est plus simple en faisant shift. Ça va, Auré, oui, ça va. Ah, sur le chat de ton live. Les vaches, ça pue. Ça va, ça pue. Une mauvaise expérience avec un taureau, Auré. Non, c'est surtout quand tu passes le long d'une clôture et que tu vois le taureau qui te regarde et qui commence déjà à gratter le sol. Ouais. Surtout quand il fait je ne sais combien de fois ton poids. Ouais. Je voudrais pas dire, mais en Belgique, on a une race de vaches chez les blancs-bleus belges et je dirais que ces trucs-là, c'est... Bah, c'est les plus grosses vaches qui existent au monde, en fait. Donc, ça, c'est un sacré poids. Et c'est une sacrée masse musculaire. Oh, et tu as quel âge? 23 ans. Oh, et t'es un animal de compagnie, oui, des chats. Miaou. Et ma soeur. Lol. Et mon frère aussi.
J'allais oublier d'appuyer, je regardais le chat mais j'ai oublié d'appuyer. Bon, rien, concernant les constructions médiévales, je parlais de celles faites sur les cubes. Tu n'as fait quoi en gros? Bah juste le château en fait. Niveau médiéval. On a un peu travaillé avec Roi sur son truc aussi. Ouais, quand vous aurez tourné... Quand vous avez tourné KTP saison 8. Va voir sur le tuteur de Hypierre. Pendant que je me gratte. Je vais plutôt me mettre comme ça. Oh non, pas là. C'est près de la torche. Comme ça, je peux me placer sans me faire chier. Ah, j'ai accédé au... What? Ah, j'ai accédé au peur derrière. Au peur derrière, oui. Ce qui serait pas. Est-ce qu'on peut accéder? Oui, comme ça on peut planter. C'est quand un prochain live avec Hypierre? Je n'ai jamais fait de live avec Hypierre en fait. Ouais, tu peux raconter une blague s'il te plaît. Oui, c'est l'histoire de Paf le chien qui traverse la route et puis Paf le chien. Voilà. C'est ma blague. Incroyable. Tu vas sur le tuteur d'Hypierre, il vient de le dire, oui. Un homme, c'est pas intelligent pour beaucoup. Ouais, tu viens de sur les Sama Games après le live, oui. Ouais, ouvre ton serveur aux versions gratuites. C'est pas les versions gratuites. C'est des versions craquées. Faut mettre ça précisément. C'est pas une version gratuite. C'est pas gratuit, c'est du vol. Donc c'est une version craquée. La seule raison pour laquelle vous avez pas de problème, c'est parce que Mojang s'en fout en fait. Il faut arrêter. Je m'en fous hein, que vous craquiez un jeu, vous faites ce que vous voulez, mais il faut quand même penser dans votre esprit que c'est du vol. Ne pensez pas que c'est juste. Oh, c'est une version gratuite. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a aussi une version gratuite de Minecraft, mais par contre là c'est clair que vous ne pourrez jamais join le serveur parce qu'elle est totalement différente. C'est une vieille, très très vieille version. Hop. Ça doit faire assez de bois, ouais. Suffira pour les poteaux. Comment on fait un creeper chargé? Il faut qu'un éclair lui tombe dessus. Donc il y a différentes techniques. La meilleure technique, c'est de les enfermer dans des cellules à intervalles réguliers et attendre juste qu'ils commencent à avoir un orage et espérer qu'il y en a un qui se fasse frapper, tout simplement. Faire attention de ne pas le faire exploser non plus. Sur les vidéos de cette build, il montre comment faire, ou sinon Dokem va vous sûrement montrer une ferme pour le faire, de toute manière. Parce que YOLO se quitte. Mais c'est vrai que c'est totalement pété. C'est juste pour les têtes de Wizard, c'est... the fuck. Et même, je veux dire... Arriver à faire passer 3 Wizard à un portail du Nether pour... 3 Wither Squelettes pour passer un portail du Nether pour arriver à voir leur tête plus tard. Je veux dire, c'est pas très compliqué, hein. Vous pouvez le faire très simplement. Il suffit de les faire vous suivre, vous passez le portail, ils vont rentrer dedans. De l'autre côté, il suffit d'avoir un piège, genre qu'il est transporté avec de l'eau dans un endroit où il y a un creeper chargé, et hop, vous avez vos trois têtes garanties. Et vous évitez je ne sais combien d'heures de farm, de tête. Donc ouais, c'est très, très avantageux. Peut-être un peu de trop. Je pense qu'ils ont essayé de simplifier. Le problème, c'est que, à mon avis... Les gens normaux avaient du mal à avoir des beacons tout simplement. Il fallait beaucoup de temps de farm et tout ça. Donc je pense qu'ils essayent de simplifier ça. C'est un peu plus simple quand même avec le creeper. Bon, ça reste quand même. Faut arriver à avoir le creeper chargé, hein, donc c'est. Voilà. Mais bon. Je trouve que ça va plus vite comme ça, limite. Que de farmer des têtes de wizard. Comment tu le. Beaujolais, ouais. Quoi? Quoi? Je ne comprends pas. Peux-tu parler français? Peux-tu parler français? Peux-tu parler français? Hop, on va finir tout ça. Ok. What? Ah non. Ok, j'avais juste un lag. C'est bizarre. J'avais la caméra qui bougeait hyper vite. Ouais, au spawn, j'ai oublié à chaque fois, le FPS est beaucoup plus bas au spawn. Du coup, je me fais avoir. Ça, c'est une des nouvelles musiques d'Approaching Nirvana que j'ai rajoutées. Ils sont pas trop mal.
Leur dernier album, j'aime moins bien. Mais celui-là, c'est de l'album Evolve, il est pas mal. J'aime bien. Ouais, il y aura du Terraria. J'aimerais bien refaire du Terraria, ça fait longtemps. En plus, ça fait longtemps que des gens ont fait du Terraria. Il me semble qu'il a été quand même mis à jour plusieurs fois, quand même, je veux dire. Donc ça pourrait être intéressant de refaire du Terraria, parce que le contenu est énorme dessus. Mais je le ferai certainement avec un pro de Terraria, parce que je n'ai jamais joué à Terraria. J'ai joué à Starbound. Bon, c'est à peu près pareil, apparemment, donc ça devrait pas trop me perturber, mais bon. Hop. Après, j'aurais bien fait avec Shuka, mais je sais bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop Shuka. Ce qui est un peu con, je veux dire, c'est pas comme s'il parlait tout le temps dans la vidéo. Par exemple, dans Minecraft Pocket Edition, il parle pas beaucoup non plus. C'est pas non plus comme s'il commençait à dire des choses pour énerver les gens. Je veux dire, il reste assez calme, donc ouais, je comprends pas les gens des fois. Je peux comprendre qu'on n'aime pas Shuka parce que... X raison, mais de là à ne pas aimer la vidéo en entier, c'est un peu bizarre. Les conditions sont spéciales pour les divers articles. À toi de lire, ok. Oui, tu parles flamand ou pas? Non. Non, si l'homme a été créé avant la femme, c'est parce qu'il fallait un brouillon. Aucun n'a été créé avant l'autre, surtout parce que l'évolution fait que that's why. Il y aura des majeurs dans le chat. Il y a des majeurs dans le chat. C'est quoi l'IP de ton serveur? Ah ah! Regarde sur le compte Twitter du serveur, c'est plus simple. iPod Hugo. Je ne connais pas iPod Hugo. Quelqu'un cherche un serveur de Studio HC? Non, personne. Alors, allons faire ce truc. Ouais, j'ai beaucoup de stacks. Salut mouton. Devrait être suffisant. J'aime bien cette montagne. Elle est sympa. Pourquoi je suis tombé près de cette vache? Je ne sais pas. Ah, ce désert. What the fuck, quoi? Ce désert, c'est juste... mob, mais... mob partout, quoi. À l'attaque, à l'attaque. En fait, Edo aurait dû mettre sa station de tir juste là où il y a le truc et on aurait dû tirer sur les mobs, ça aurait été beaucoup mieux. Hop, mourez. Télépais-toi, Edo. Tu veux te battre? Fils de ta mère. Ok, y'a un zombie qui arrive derrière. C'est pas bon ça. Y'a le squelette aussi là-bas. Ok. Ah, y'avait quelques mobs, hein. Pff, pas grand chose. Ah, voilà. C'était raisonnable. Ouais, tu pourrais faire des vidéos Hunger Games un jour. Pourquoi pas. Quoique j'aime pas trop les vidéos Hunger Games. Enfin, faire une vidéo juste comme ça, Hunger Games, ça fait un peu bizarre, quoi. Du coup, on va rajouter des lampes. Hop. Et là, on va plutôt la rajouter au milieu, en fait. Là aussi. Tac. Alors, un pilier ici, il y en a un autre là derrière. Là, il faut remplacer ce pilier, ça y est. Est-ce qu'il y a un autre bloc au-dessus? Oui. J'aime pas avoir de bloc qui repose sur la dirt, ça vous savez, de toute façon. Tac. Une petite torche ici. Il y a aussi ce pilier là. Ok, là il n'y a pas de bloc, c'est bon. On peut mettre directement. Hop. Tac. J'aurais pas dû enlever ce bloc là, normalement. Enfin, si je vais l'enlever, fuck it. Parce que je peux. Oh yeah. Tac. Celui-là aussi on va l'enlever. Oui, je creuse à la hache, pourquoi pas. Fuck you. Allez plus vite. J'ai plus mon casque respiration à quoi Affinity, c'est un peu chiant.
Si j'avais pété contre la bataille d'Aipierre. Enfin, pendant la bataille d'Aipierre. Contre Aipierre, plutôt. Voilà, ça marche mieux quand je parle français. Ok, là c'est bon. Ici, on va en mettre un. Regardez s'il n'y a pas un mob qui tombe dessus. Il me faut. Je m'appelle, ce sera plus simple. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Mettre une petite torche au passage. Maximum de torches, même. Ok, on va le mettre là, fuck it. Voilà. Ça s'est bien éclairé. Hop. Oh, non. J'aurais pas dû mettre là. Fuck. Hop. Je vais passer par ici. Je quitte. Hop. Une petite dalle ici. Enfin, une petite bûche ici. Il faudra que je mette des dalles aussi après. Hop. Là, on enlève. Encore ici. Et là, on remet du bois à cet endroit. Tac. YOLO. Sweet. J'aurais pas dû peut-être en mettre là parce qu'il y avait quelque chose, mais bon. Hop, on va mettre ici. Ah, c'est une version de la musique avec des paroles. Ça me perturbait. Je me dis, qu'est-ce que c'est là? Pourquoi il y a une poufiasse dans mon son? Alors, est-ce que j'ai... Oui, j'en ai du spruce, il faut que je me débarrasse de quelques trucs par contre. Allez, fuck it. Alors... Tac. On va faire un peu plus quand même. Oui, si tu veux faire du terrarium... Auré, si tu veux, je fais du terrarium depuis longtemps. Non, mais j'aimerais un autre youtubeur, si possible. C'est le problème avec le faire avec des abonnés, c'est que premièrement, il y a des abonnés qui n'ont pas de micro, il y a des abonnés qui ont un micro de merde, il y a des abonnés qui sont un peu trop fanboy, donc c'est trop random. Donc au moins en prenant un autre youtubeur, on est... Même pas, je dis pas genre, oh, j'ai envie de faire une vidéo avec un youtubeur de 100 000 abonnés, non, même si c'est un petit youtubeur à 10 000 abonnés, ça va quoi. Juste quelqu'un qui soit spécialisé en terraria, tu vois. Enfin, vous voyez, plutôt. Comme ça, on est... Ça avance et le mec sait expliquer aussi les choses. Quoi. Hop, m'expliquer les choses surtout. Meurs. Déteste ces squelettes. Ok, il va nous falloir des lampes aussi le long du chemin. Je pense qu'on va tout simplement faire la technique du trombadour. Je viens d'inventer le nom en fait. Ne cherchez pas. Ouais, ne cherchez pas. Hop. Je suis plein. Fuck that shit. Ok, on va jeter ça, j'espère qu'un creeper va pas arriver par derrière. Non, ça va. Hop. Hop, il me faut des torches aussi, tiens, tant que j'y suis... Fuck. Trop de choses dans cet inventaire! Attendez. Ah, on peut pas jeter par-dessus les barrières. J'ai oublié, à cause de l'hitbox. Voilà. Hop. Elles sont là. On va faire ça. Hop, donne-moi 9 torches comme ça. Enfin, 9 trucs comme ça. Je peux faire des torches. Et voilà, enfin. Et la nuit est finie. Fuck you. Marche très bien comme technique d'éclairage. Oh, j'essaie d'éclairer moi. Bordel. Non mais... Foutu squelette. Hop. C'est un bête éclairage vraiment pour dire voilà quoi. Et voilà. Répare ton épée avant qu'elle meure. Elle va mourir. Non, elle va disparaître techniquement. Oh, il reste 162.
J'ai jamais réparé, il me semble, cette épée. Ah si, une fois. Je me souviens. C'était en 1962. À ce temps-là, on n'avait pas de Wither. Enfin, si, en fait, mais bon. Parce que c'était pas 1962. Quoique, s'il y avait des années dans Minecraft. Les jours passent vite, donc les années passent vite, normalement, dans Minecraft. Hop. Ok. Bon, je crois qu'on va pouvoir revenir tranquillement au spawn. Il est quelle heure? Il est 23h50. Ok. Il faudrait que je fasse de la place, surtout, pour le moment. On va jeter un peu n'importe quoi, allez. Ça, j'en ai pas besoin. 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 Ouais, c'est déjà pas mal. Et on va faire le pont, tiens. Donc on y est. Bonne nuit à ceux qui doivent y aller. Et n'oubliez pas... Croyez au pouvoir du swag. Enfin, pas vraiment. Mais bon. Hop. Un arbre en moins. Du bois en plus. Et de la pluie toujours. Je déteste la pluie. Mais c'est pas la vache. Tu vas me gêner d'ailleurs, là où tu es. Désolé. Poulpe ! Ah ! C'est bon, je l'ai eu. Pas d'inquiétude, je l'ai eu. J'espère que personne n'a commencé à faire une crise d'anxiété ou je ne sais quoi. Ça aurait été très... voilà. Daddy, tu veux des bonbons ? Ok, il faut partir en diagonale pour ce pont, donc on va partir sur les trois blocs en diagonale comme ça. Du coup, on va faire un pilier ici. Là, on va faire le bête pont, mais alors vraiment bête de chez bête. Aussi bête qu'Homer, pour dire. Qu'Homer peut être très intelligent des fois. Hop. Mouton. Non, mouton. Pas mouton. Et on va mettre le deuxième pilier ici. Est-ce que c'est bien en face? Non, c'est ici que j'aurais dû mettre. Hop. Ok. Hop. On n'a plus qu'à compléter. On va mettre Dédale. À la limite. Dédale en cobble, ce serait pas mal. Pour le pont. Ou est-ce que. J'avais pas Dédale en cobble sur moi? Tiens, entre fichtre. Qu'est-il arrivé à Dédale? Par contre, là, il faut que je modifie ça. D'abord, je vais mettre les dalles en gravier. Les dalles en cobble. Parce que je viens de voir de gravier, donc forcément, je dis gravier. Hop. Hop. On va le complexifier un peu. Hein. C'est la première forme. Ne vous inquiétez pas. Et. J'avais jeté des escaliers, fait que j'aurais dû les garder. Tant pis, je vais mettre une dalle comme ça. Hop. Et à partir de là, ça redeviendra du gravier, tout simplement. D'ailleurs, on va descendre d'un bloc, à la limite. Ouais, on va descendre d'un bloc. On va enlever cette partie-là. Hop, et on va descendre d'un bloc par ici. Hop. Tac. Ok. Ok, ok. Ça c'est bon. Hop. Ok, là c'est bon. Maintenant il nous faut une rambarde parce que c'est un compte tombé. On va mettre une bête rambarde. Comme ça. À la limite. Non, ça fait un peu bizarre. Hop. Né. Pas trop ça, j'aime pas les barrières comme ça, c'est un peu... Ouais... Elle se connecte pas là par contre, c'est ça le problème. Est-ce que je pourrais pas mettre un bloc de cobble plutôt ici? Histoire que ça se connecte. Non, ça fait bizarre. Un peu petit pour travailler ce truc, c'est le problème. Les rambardes en diagonale, c'est juste horrible à faire.
Il faudrait que les barrières se connectent en diagonale, s'il vous plaît, Mojang, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va faire ça à la limite, voilà, ouais, là, comme ça c'est soutenu, ça fait logique. Fuck that shit. Voilà, là c'est tout simple, ça marche. Une torche, une torche. Personne ne tombe, personne ne meurt, c'est cool. Et là, on complète avec ceci. Voilà. Petit bon pont, tout simple. Rien de plus simple. Et on va faire la partie là aussi, sur le côté. On va compléter avec un peu de cobble. Il me faut des dalles plutôt, ce sera plus intéressant. Hop. Ok, il faut que j'arrive à descendre là-dedans. Ok. Ouais. On va faire peut-être du gravier là. Comme ça. Hop, voilà. Ah non, j'ai été un bloc plus loin en fait. Comme ça, voilà. Bon, ça suffira. Comme ça, on voit quand même que ça tient. Il y a quelque chose pour faire tenir. Voilà. Dégage, la vache. J'ai déjà fait partir. Poulpe. Ah, meurs. C'est bon, j'ai eu. Poulpe. Ouf. Poulpe. Ouais, je suis monté niveau 20 grâce au poulpe. J'aurais peut-être récupéré les sacs d'encre tant que j'y suis. Rod, bon, je m'en fous. Fait que... Ah, il y a du gras. Il y a de la clé ici. Hop. Remontons vite. Tac. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Je vois des drôles de trucs dans le chat. Je sais faire les terrariums gros en triton avec très bon mi-rouge et gros. What? Je ne comprends pas. Oh, et tu vas remplacer Jebs dans ta nouvelle base? Non. Tu es raciste envers les poulpes? Non, j'étais juste. C'est pas du racisme. Ce n'est pas une race différente. C'est une espèce différente, donc c'est du espécisme. Ça fait bizarre, hein. Ouais. Mais... comment on définit quelqu'un qui n'aime pas une autre espèce? C'est pas encore la même chose, une autre espèce. Parce que une autre race, c'est la même espèce, mais différente. Mais au final, c'est la même. Donc tous les hommes sont pareils. C'est pas parce qu'on a une couleur de peau différente qu'on est différent. Intérieurement, je veux dire. Alors qu'une vache est totalement différente de moi, par exemple. Ouais, sur la pokétisation, tu peux faire de la stained clay en cuisant des blocs de clé, je sais. Xénophobe, non, je ne crois pas. Aimes-tu les lapins? Je les déteste tous. Je déteste les animaux. Sauf les chats. Non, je rigole. Non, dans les animaux que je déteste, en fait, je dirais... j'aime pas les chiens. Je les déteste, ça c'est vrai. J'ai déjà eu plusieurs... Ma voisine a des chiens, elle avait des chiens très agressifs. Mais des tout petits, c'est les... vous savez, les tout petits qui sont très agressifs. Elle avait un chien comme ça. Je déteste les chiens à cause de ça. Les chats, j'adore. Je déteste les moutons parce que mon père a des moutons et... voilà, c'est chiant les moutons, ça pue, c'est... voilà. Enfin, c'est pas une question de puer, c'est surtout que c'est... c'est un peu inutile, quoi, les moutons. J'aime pas. Je règle un peu les problèmes dans le désert. À cause de ces Endermen de malheur. Fuck you, Endermen. Mettre les blocs n'importe où. Hop. Voilà, et c'est bon. Rectification de terrain. À cause des Endermen. Hop. Hop. Il y a aussi celle-là. Ok, on va enlever ça. Nope, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, j'en ai.
Ça va devenir dangereux par ici, par contre. Je ferais mieux de me casser. Sur les autres animaux, ça ne me dérange pas. C'est vrai que... il n'y a pas de race d'humains, c'est vrai. C'est de la biodiversité, en fait. C'est comme certains animaux, enfin certains chats ou autre chose. Enfin, certains animaux, on croit que c'est des races différentes, mais c'est pas des races différentes, c'est juste la biodiversité, c'est vrai. Après, c'est pas parce que vous classez les humains par race que vous êtes raciste, hein. C'est si vous avez de la haine envers un groupe d'humains en particulier, c'est là que vous êtes raciste. Donc en fait, on devrait pas utiliser le terme raciste, parce que dire qu'on est raciste, ça veut dire qu'il existe des races entre les humains, alors qu'il y en a pas. Et du coup, en utilisant rien que le terme raciste, on crée des différences entre les humains. Enfin bref, j'espère que vous comprenez. Du coup, c'est pas bien. Je pense qu'on va faire une petite pause et puis on va aller sur SamaGames, donc en après-live. Donc là, ça sera la fin du live Holycube. Hop, je vais aller me mettre sur un arbre, pourquoi pas. Fuck you. Voilà. Terminer le live sur un arbre, c'est cool. Pendant que je régène aussi. Du coup... ton skin est bugué, oui, mon skin est bugué. Joues-tu à Hearthstone? Non, je n'aime pas Hearthstone. J'aime bien regarder Hearthstone, mais j'aime pas y jouer. Ouais, comment ils s'appellent les chats? Robert et Jean-Luc. Non, pas vraiment. Depuis quand tu as fait de la philosophie? Auré le philosophe. Non, je fais pas de philosophie. Je dis juste des choses qui me passent par la tête. De toute façon, la philosophie, c'est ça. C'est juste dire des choses qui vous passent par la tête. Hein, je voudrais pas dire. On essaie de donner plus d'importance à la philosophie, mais c'est très simple. Hein. Enfin, c'est simple d'en faire. C'est pas simple d'en faire à un niveau supérieur. Enfin bref, je me comprends. Oublie pas ton cheval, qu'on dit. C'est lui qui a des chevaux, c'est pas moi. Mado, je vous aime, et Auré. Menteur. Ok, je pense qu'on va arrêter pour le live Holycube, donc je me déconnecte par sortie, j'arrête l'enregistrement. Donc...